Les méchants et en sortir gagnant. Si mes calculs sont corrects, on a fait 2000 kilomètres. J'espère qu'on y est bientôt. Ils perdent de l'altitude. On dirait qu'il va atterrir. Pixie, il n'y aura pas de contrôle de sécurité? Vaisseau non identifié, que faites-vous dans notre espace aérien? Votre appareil n'est pas dans nos registres. Vaisseau non identifié, vous me recevez? Répondez. Ouais, ouais, je vous reçois. Vaisseau non identifié, pourquoi êtes-vous en phase d'atterrissage? On a eu un petit problème. Des turbulences. Des turbulences? Ah, c'est ça, des turbulences. Oui, monsieur. Personne d'autre n'a signalé de turbulences. Et on nous a appris que des transports avaient été suivis par un vaisseau inconnu. Vraiment? Comme c'est bizarre. Personne ne m'a mis au courant de cette histoire. Vaisseau non identifié, transmettez votre matricule. Notre matricule? Affirmatif. Veuillez le transmettre. Nous devrons vous considérer comme hostile et nous ouvrirons le feu. Bien reçu. Juste une minute. Mon matricule est... 1. Hein? Oui. Ensuite? 2. Hé, ça a marché. Tu viens ou quoi? Oui. C'est intime. Ouais. Au moins cette fois, j'ai la chance d'être à l'intérieur. Monkey, tu veux bien bouger ta main gauche d'un chouïa? Je vois vraiment pas comment je pourrais. Parce qu'elle est... juste sur mon... pénis. Ça fait mal. Pixie, t'es sûr de ton coup? Il est vraiment là, ce Léviathan? Oh, aucun doute là-dessus. Tu verras. Ça va être énorme. Il est là. Quelque part. Ok. Il y a un terminal. Voyons ce que je peux trouver. Apparemment, les sous-marins sont dans une sorte de hangar.
derrière cette porte. Allez, jeter un coup d'œil. Je reste au terminal, en attendant. Alors, voyons. Il est sur des sortes de rails. Hey, les rails mènent à cette porte. C'est probablement le sas. Faut qu'on amène le sous-marin là-bas et qu'on ouvre ce sas. Ok, je te marque les commandes de la porte. No problemo. Les ordinateurs, ça me connaît, tu sais. Laisse-moi faire. Paniquons pas. On va faire comme au bon vieux temps. Je vais poser des charges pour faire sauter la porte. Monkey, occupe-toi de mettre le sous-marin en position. Je compte sur vous. Je vais voir ce que je peux faire avec ces commandes. Alors, je peux le faire avancer et changer sa direction. Mais l'ensemble de la structure bougera en même temps. Donc, il faut que tu alignes tout comme il faut, Monkey. Ok, mets les gaz. Danger, collision. Le sous-marin est coincé. Attends. Il y a des plaques tournantes de chaque côté de la pièce. Elles servent à faire pivoter les segments. Recule.
Avance. Danger, collision. Recule. Avance. Danger, collision. Et recule. Trip, recule. Danger, collision. Avance. Avance. Danger, collision. Recule. Recule. Danger, collision. Avance. Danger, collision. Pyramide construit ce Léviathan. Parce que c'est l'arme ultime. Ils pourront écraser tous ceux qui s'opposent à eux. L'ironie, c'est que c'est nous qui allons les écraser avec. Recule. Thank you.
joué. J'ai fini aussi. Je viens de chercher, Trip. Je peux pas monter! Tu vas devoir suivre le sous-marin à pied! Recule! Pixie va faire exploser la porte! D'après les données, il va falloir qu'on conduise le sous-marin jusqu'au sas. C'est là qu'il pourra s'immerger. Ça paraît plutôt simple. S'il y a un truc que j'ai appris ces derniers jours, c'est que c'est jamais simple. Oh, regardez un peu tous ces robots. On est repérés. Trip, ouvre les coutilles. C'est plus sûr à l'intérieur. Je sais. Ok, je m'en occupe. Ok, Trip, je suis au terminal. Je vais avoir besoin d'un coup de main. Appuie sur le bouton bleu. Rien, ça marche pas. T'as essayé de l'éteindre et de le rallumer? Non, attends deux secondes. Il était pas allumé, en fait. T'en es où avec les coutilles, Pixie? J'y travaille! Dépêche un peu! J'arrive, Pixie! Accroche-toi, ça va aller! C'est vite dire! C'est pas fini! Continue!
Sors-moi de là! Quoi, d'autres robots? Faut que tu nous protèges! Oh, enlève-moi! Ça. C'est allumé, mais il se passe rien. Bon, dans ce cas, tu dois activer l'algorithme fréquentiel de la baie 5. Mais n'efface pas l'interface primaire, sinon le sous-niveau se rebouclera. L'interface... Alors là, je me pâte. Tout bizarre. Je vois des petites lumières autour de moi. C'est joli. J'ai les lèvres qui picotent. Je crois que je vais vomir. C'est possible de vomir quand on a la tête en bas? C'est dangereux? Je risque rien, hein? Monkey, je crois que tu ferais mieux de t'écarter. Non, c'est bon. J'ai tout ravalé. Je crois que j'ai du mal à digérer ce fromage. Tu sais quoi, Pixie? C'est l'occasion rêvée d'apprendre! Monkey! Faut que tu me sauves! Au secours! J'ai l'impression que ma tête va exploser! T'adore, mon fils!
donne la main. Hey, Monkey, tu m'as sauvé la vie. Ça veut dire qu'on est quitte. Quitte? Tu te fous de moi ou quoi? Depuis que je t'ai rencontré, t'as pas arrêté de... Oh, laisse tomber. Je suis coincé. Ferme-la et rentre. La bête a quatre tacts, qui sont fixés au sol du réservoir. Ok, donc on va poser des explosifs sur chacun des points d'attache. Tu devras trouver comment démarrer le moteur pendant que j'irai à la salle de contrôle. Et toi, tu feras sortir le Léviathan. Ouais. Un plan simple et sans danger, quoi. Par ici. Cet engin dépasse de loin mes rêves les plus émoustillants. Tu peux répéter ça? Ouais! Cet engin dépasse de loin mes rêves les plus émouvants! C'est pas ce que t'as dit. Arrêtez un peu, vous deux. Venez. Un terminal. Bougez pas. Ok. J'ai récupéré les données. Les points d'ancrage sont au-dessus de nous. Monkey, j'ai trouvé un passage. Je viens de l'enregistrer dans la libellule. Suis-la, elle te montrera le chemin. Super. D'accord, je vais aller voir. Non, je vais pas pouvoir passer par là. Va falloir que je trouve un autre chemin. J'ai besoin de toi, Monkey. Viens pas ici. Pendant ce temps, je vais essayer de décrypter le système. Visez un peu la taille de ces rouages. Trip, on a un problème. Il y a des flammes qui bloquent le passage. Ok. Ah, je peux couper les brûleurs d'ici. Et il fait de plus en plus chaud. Ouais, j'essaie de les couper. Oh la vache, c'est chaud! Je peux pas passer par là. On a qu'à faire exploser ce machin. Surtout, n'endommage pas le rouage. Ouais, chef.
Joli coup, Monkey. Après toi. Tu vois où il faut passer? Au-dessus de toi. D'ancrage à quatre fixations. On doit les faire sauter pour libérer la patte. Je vais lancer d'autres bombes. Activez le système de sécurité. C'est mal barré. Les robots utilisent de la thermite pour percer la coque. On n'a pas beaucoup de temps. C'est du moteur à faisceau. Ok, même chose, Monkey. Encore quelques fixations. Comment ça va, Trip? Je vous apprendrai qu'ils ont fait une percée. Je ferme les portes internes, mais ils sont vite là. Ok. Même chose, Monkey. J'en reste sans voix. Trip! Trip, je peux pas passer par là! Voilà. C'est bon maintenant?